Bienvenue pour le photocall de Baccalauréat, nouveau film de Christiane Mounjou. Christiane Mounjou, vainqueur de la Palme d'Or en 2007 pour 4 mois, 3 semaines, 2 jours et qui revient donc de nouveau en compétition officielle avec ce film Baccalauréat et donc ses interprètes qui l'accompagnent et autour de lui. Vous allez donc pouvoir découvrir l'actrice allemande d'origine roumaine Maria Dragus. Vous avez également l'acteur principal du film, le grand acteur roumain Adrian Titieni, qui joue le père de Maria. Vous avez également, alors là ils sont tous les deux entre, ils entourent Christiane Mounjou. Hein. À droite, Malina Manovici, comédienne roumaine, et également Rares Andrici, comédien roumain, qui joue à la fois le petit ami de Maria Dragus, Rares Andrici, et Malina Manovici, la maîtresse d'Adrian Titieni. Voilà pour les présentations et les relations entre les personnages dans ce film, qui nous raconte donc l'histoire d'un médecin chirurgien dans un hôpital d'une ville de la Roumanie, qui élève sa fille dans le but qu'elle réussisse ses études et surtout qu'elle quitte le pays, c'est-à-dire qu'elle a été admise comme boursière dans une grande université anglaise. Mais pour cela, il faut qu'elle ait son bac. Ce devrait être qu'une formalité, puisqu'elle a 19 de moyenne depuis le début de ses années de lycée. Mais voilà, elle est agressée. Quelques jours avant l'épreuve, avant l'examen, elle subit une tentative de viol qui va bien sûr la bouleverser, la blesser et puis la traumatiser et rendre beaucoup plus difficile la réussite de son examen, hypothéquer donc son avenir, l'avenir que lui a construit son père, là, qui est donc à sa droite. Et son père va devoir faire des compromissions, essayer de faire en sorte qu'elle passe quand même son bac et puis qu'effectivement, elle soit mieux notée. Et pour cela, il va falloir, en quelque sorte, se mouiller les mains, se salir presque les mains, et ce n'est pas du tout les valeurs éducatives dans lesquelles il a élevé sa fille, et ni les choix qu'il a fait lui, plus jeune, quand il a décidé de revenir en Roumanie en 91, c'est-à-dire après la Révolution, pour essayer de vivre dans son pays, et une décision qu'il semble regretter aujourd'hui à 50 ans, alors qu'il est pourtant un chirurgien reconnu. Voilà le trio de ce film, le réalisateur Christiane Mounjou et ses deux interprètes, Adrian Titieni et Maria Dragus. Pour ce film très fort, une sorte de film à suspense en quelque sorte, où l'on suit le parcours de cet homme, un suspense moral également. Comment va-t-il arriver à se sortir de cette situation? Sa femme vit à la maison. Sa femme avec qui il a tout construit et pourtant qu'il trompe avec une maîtresse, Malina Manovici, que l'on a vu tout à l'heure sur les images. Et là donc, place à ce très grand réalisateur. On avait pu découvrir Christy Pouillou en début de festival. Voici Christiane Mounjou. C'est un peu le porte-drapeau du cinéma roumain, du renouveau du cinéma roumain, parce que maintenant il y a de nombreux cinéastes roumains ultra talentueux. C'est une des plus grandes cinématographies mondiales aujourd'hui que le cinéma roumain, plusieurs fois récompensé à Cannes et plusieurs fois en compétition. Donc cet homme-là a reçu la Palme d'Or, Christiane Mounjou. Son premier film Occident avait été diffusé pour la première fois à la Quinzaine des réalisateurs et il avait eu un vrai succès. Il était revenu ensuite avec Au-delà des collines, également, qui lui avait valu le prix du scénario et le prix d'interprétation à ses deux interprètes. Voilà l'une autre de ces magnifiques interprètes. Maria Dragus, Maria Victoria Dragus, qui est née donc en 94, qui a étudié en Allemagne, qui a maintenant une magnifique carrière parce qu'elle a été découverte ici avec une autre Palme d'Or,
Elle était à l'affiche du Ruban Blanc de Michael Haneke en 2009. On se souvient de sa montée des marches en 2009, Maria Dragus, qui se retrouve donc avec un autre réalisateur palmé aujourd'hui en compétition officielle, Christian Mungiu, réalisateur roumain. Elle a depuis une belle carrière en Allemagne, notamment dans, récemment dans le film Tiger Girl de Jacob Lass. On l'a vu également dans, on l'a vu dans Light de Barbara Albert. Elle a joué dans Qui à part nous et où de Andrés Veiel. Et voilà ce grand comédien roumain qui est Adrian Titieni. Adrian Titieni, on a pu le voir notamment devant la caméra de Lucien Pintillier dans Le Chêne, qui était là à Cannes en 92. Il était également à l'affiche d'un autre candidat à la Palme d'Or cette année, le Roumain Cristi Puiu. Il était à l'affiche de La mort de Dante Lazarescu. À Cannes en 2005, on l'a vu également à Berlin dans Mère et Fils, qui obtiendra l'Ours de Berlin. L'Ours d'Or, hein, bien sûr, en 2013. Film de Kalin Peter Netzer. On l'a vu également à l'affiche de Best Intentions d'Adrian Citarou. C'est Malina Manovici qui incarne sa maîtresse dans le film, qui élève seule son fils. Ses débuts au cinéma avec ce film Baccalauréat. Voilà la belle Malina Manovici. Et Maria Dragus l'a rejointe. Elle est voilà toutes les deux. De magnifiques comédiennes roumaines de ce film. Voilà donc l'équipe du film Baccalauréat pour la Roumanie. Est-ce que ce sera la deuxième Palme d'Or pour Christian Mungiu?